Yeah YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve jeunes gens, toujours en compagnie de Stal, l'animal qui est réfugié dans sa grotte tout là-bas et qui m'attend pour la quatrième session de niveau sur Portal de Co. Mais si tu m'attends, attends-moi. En plus c'est la réflexion, attends-moi. Mais elle est méchante, elle veut pas de moi, pourquoi tu veux pas de moi? Pourquoi tu veux pas de moi? Je rentrerai dans ta grotte coûte que coûte. Est-ce que t'as remonté les niveaux? What the fuck? T'as remonté les niveaux? Qu'est-ce que... Ah oui d'accord, non je sais pas parce que de mon point de vue on ne voyait même pas les niveaux apparaître, du coup c'était bizarre. Et voilà encore une zone que j'avais déjà fini à l'époque et la sauvegarde a été conservée, chose chiante ma foi. D'ailleurs attends, je voulais montrer quelque chose parce que je sais plus si j'avais montré, mais il y a un truc pas du tout logique sur ce niveau là. Parce que en gros j'ai fait tous les niveaux de la coop sauf le niveau du centre là, le quatrième niveau pour une raison que j'ignore totalement. Sinon tout le reste est en orange. Bref, petit animal je te suis, fais-moi une visite guidée dans ta grotte, non me pousse pas. Tu ne peux pas me pousser de toute manière, je suis une brique insensible à la douleur, et à l'émotion. Non, non, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais ne le fais pas, voilà, je me casse. Bon, on est parti jeunes gens, nouvelle session, ça veut dire aussi nouveaux travaux, nouvelles difficultés, et surtout, nouveau gameplay, parce qu'on va apprendre encore des choses, et tout ceci est très très intéressant. Place dans mon cerveau. T'as plus de place dans ton cerveau? Est-ce qu'il y a vraiment eu déjà des trucs dans ton cerveau? Plus que toi. Quoi? Plus que toi. C'est méchant ça. Moi y a rien dans mon cerveau, mais moi je le dis. Oh c'est ça. Regarde. Et attends parce que tant qu'on est dans cette session, il faudra un moment qu'il faut. Il faudra absolument que je te monte un truc. Donc. Ah oui, il y a un danger de mort. Oui, on va dire que c'est un broyeur. Il y a un broyeur, il y a un interrupteur à interrupter et il y a des cerceaux de hula hoop. Ça fait quoi? Ah, ça fait ça et attends, si tu bouges pas. Voilà, parfait. Oh là là. Aïe. Et voilà. Coucou. Juste au-dessus. En fait, voilà, ce sont des ascenseurs gravitationnels, des passerelles gravitationnelles. Et normalement, tu peux bouger, tu vois, tu peux tenter de descendre s'il faut. Sauf que. Attends, parce que ça va rester interrupté si tu fais ça. Est-ce que ça reste un... Ah! Je le savais. Bouge pas. Ok. Attends, je réfléchis. Attends. C'est la panique. Vas-y bien. C'est bon. J'ai eu la peur de ma vie. Stal ne comprend pas ce qui lui arrive. Tu peux bouger, voilà. Vers le haut ou vers le bas, voilà, pas trop. Nice. Oh, ce bordel, jusqu'à la sortie, tu vois. Hop, ce grand luxe. Ah, c'est génial, les ponts gravitationnels, ça permet de faire de ces trucs. Et ben voilà, première salle de test terminée. Donc, est-ce que t'as compris plus ou moins comment fonctionnent les passerelles? Oui, non? Non? Ah, qu'est-ce que... On est coincé? Oui, ça voulait pas avancer, c'était bizarre. Bon, du coup, toute la session, tous les niveaux qui vont suivre vont partir à partir de ça. Bref, vont tourner autour des ponts gravitationnels et il va falloir gérer un maximum et je vais avoir besoin de toi. Et tu verras que par la suite, normalement, on aura possibilité aussi d'inverser le sens gravitationnel. Genre, si à un moment t'avances, à un moment tu pourras reculer aussi. Ça s'en va, ça revient. Ça fait le tout petit rien. Oh, il y a des propulseurs avec des portails, ça va être génial. Nous pleurons la mort de Stal qui en moins de 2 secondes est mort dans cette nouvelle énigme. Une mort ma foi fort ridicule puisqu'elle n'a pas eu le temps de me comprendre ce qui était arrivé. Elle a marché sur le premier propulseur qu'elle trouvait et puis fin du game. T'as fait quoi? Je sais pas. Ah, ça lève les trucs. Ça lève les trucs là. Ouais. Ouais, alors attends parce que c'est sympa mais où c'est qu'il y a un autre portail? Où c'est qu'il y a un autre portail? S'il me propulse là, il n'y avait pas dans les sens du coup là. What the fuck? Qu'est-ce que... Oh, attends. Attends, refais ce que t'as fait. Eh, attends, t'es pas bête. Oh, oh. Il m'en fait, mais l'autre est orion. Alors, par contre, voilà, je suis un chouïa trop bas. Excuse-moi, les murs. Peux pas... Ça ne passe pas. Une idée. Ah mais si en fait tu pouvais le mettre là. Tu peux le mettre là et je peux passer par le carreau d'à côté. Mais du coup c'est quoi l'intérêt en fait d'ouvrir la passerelle? Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Attends. Il y a un truc que j'ai pas suivi là. Waouh! Voilà. Et donc là je passe. Là je passe et là il y a un interrupteur à interrupter. Ah mais ce serait pas pour te filer un balloon? Attends. Attends. Ça fait un balloon. Oui c'est ça, un ballon, j'ai le ok.
On me donne par les filtres, par les vitres. Je sais pas, je réfléchis en fait. C'est bon? Ouais, j'en fais quoi? Mais il est sur l'interrupteur? Je crois. Pas. Bah, je sais pas, je. En vérité, j'en sais rien du tout. Mais à quoi ça sert ça, sans déconner? Je suis sûr que ça sert à un truc. Attends. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Il y a pas un autre endroit où tu peux mettre ton portail par hasard? Ben non, il y a rien. Ah non, il doit aller là-haut, le. Là-haut, le ballon, non? Ouais. Oui, sûrement. Oui, sûrement. Donc en vérité, attends, je te reprends le ballon. Mais c'est toujours pareil parce que. Si, attends. Oui, t'as une idée? Oui. Attends. Je crois. Attention. Stall le génie. Attends, stall le génie. Je suis pas sûr. Stall le demi-génie alors? Parce que en gros. Stall le demi-génie. Voilà, il faut que ça arrive comme ça. Donc il faut que tu mettes un de tes portails ici. Et je sais pas si tu peux mettre un de tes portails à l'intérieur. Un de mes portails à l'intérieur. C'est-à-dire où je suis là actuellement? Genre là? Ouais. Bah non, attends, ça a aucun. T'es sûr? Attends. Bah pour moi, il faut mettre le ballon dans le vortex là. Oui, non, je suis d'accord. Parce qu'en plus, il y a le bouton sur le mur. Mais ça fait pas de sens. Attends, c'est trop bizarre. Je peux même pas en fait le mettre. Je peux même pas le mettre. Elle est compliquée cette énigme. Attends, elle est si compliquée. T'as compris? Vas-y, éclaire-moi parce que là, je suis paumé. Je fais quoi? Attends. Tu fais quoi? Que tu puisses mettre. Il faut que tu puisses mettre ton truc rouge de l'autre côté en fait. Ou alors il faut qu'on inverse. Comment t'as fait ce que t'as fait en fait? Ben j'ai mis un portail en dessous du vortex. Oui mais attends, comment t'as fait pour le ramener là? Attends, il faudrait le faire passer dans le vortex. Comment on le fait passer dans le vortex? En fait, il faut. Ah oui, attends, je crois que j'ai compris ce que tu veux dire. Attends. Donc, si je peux faire ça. Oui, attends. On tient un truc. Donc là, il est immobilisé. Attendez. Est-ce que Stall est un génie? Stall est un fucking génie. J'y crois pas, j'aurais jamais cru le dire un jour. T'es où? Stall est un génie. Mamma mia, c'est Stall qui a trouvé cette épreuve. What the fuck? Très bien. Bah écoutez, là, j'applaudis la performance. Ah, mais là, je suis tellement fier. Je suis tellement coincé aussi. Quand est-ce qu'on décolle? Oui, ça met du temps ces derniers temps, c'est trop bizarre. Peut-être, je sais pas, peut-être le temps que ça charge. Peut-être que c'est GLaDOS qui joue au morpion à côté et qui nous oublie. Non mais c'est bizarre. Tu penses que GLaDOS elle a des passions comme ça? Tu penses qu'elle joue aux cartes Yu-Gi-Oh? Non, je pense juste qu'elle vieillit. Oh, ça parle mal! GLaDOS, ouais. Ça s'est pu aligner deux chiffres dans un code binaire et ça parle mal. Oh, c'est méchant. Hein, oui c'est méchant, surtout que le binaire, bon, la base du binaire c'est pas trop compliqué. Après voilà, quand c'est développé et c'est compliqué. Bleu, orange et moi parlions de votre comportement. Quoi? Ah non, d'accord, je suis du côté GLaDOS. Quoi? Alors on nous avait dit un truc comme ça, je crois que c'était Winter. Si jamais en fait l'un de nous s'en sort mieux que l'autre, il est possible qu'à un moment, s'il y ait trop de différence, GLaDOS se mette carrément du côté du gagnant en fait. Donc c'est moi qui perds là. Bah en gros la GLaDOS elle est en train de se foutre de toi. Parce que c'est moi qui fais tout. J'y crois pas. Écoutez là, je dis pas que tu fais rien, mais hein, bon quand même. Alors attends. Vas-y petit génie, vas-y, sors-nous de ce pétrin. Comment? Parce que moi je sais pas là, voilà. J'ai le cerveau qui grille. Qu'est-ce que Oh, c'est un broyeur. C'est intéressant ça. C'est très intéressant. Attends, parce que c'est sympa de mettre un truc là, mais ensuite. Oh, attends. Oh. Au revoir, Stage, je m'en vais vers un autre monde. Oui. Un monde que seul moi peut comprendre. Je te visse le cul là. Oui. T'as fini avec ta perceuse. Attends, comment?
J'avais pas vu, mais il y a un cube là. Il y a un cube. Comment on fait pour le récup? Oui. Comment on fait pour le récup? Eh, mais il faut carrément un vortex en fait. Un vortex qui nous emmène. On peut pas changer le sens du vortex. Attends. Non, on est. Je crois qu'il y a un truc à faire. Mets un portail là. Mets un portail là. Attends. Voilà. Oui. Attends. Oui. Moi, je vais en mettre un là. Ce que tu vas faire, c'est que ton bleu clair, tu vas le mettre en dessous de moi. D'accord? Non, attends. Ok, d'accord, j'ai été beaucoup plus trop loin. Bon, il y avait de l'idée, mais c'était pas ça. Bon, par contre, j'ai pas dit envoie-le maintenant. Alors, laisse-moi le temps de réflexionner. Alors, il y a un truc à faire à partir de ça. Et genre, si je m'envoie juste. Si je m'envoie juste là-bas, en fait, ça fait quoi? Est-ce que je peux y aller? Ouais, non, faut pas y aller. Eh, ça va, hein? Arrête de te moquer. Moi, je cherche, madame. Moi, je suis un scientifique. Vous n'êtes qu'un rat de laboratoire. Mais. C'était ça l'idée en fait. C'était exactement ce qu'on a fait. Sauf que du coup, bah, il fallait activer ça. Très bien. Bon, bah, Stal a bien réagi. J'avoue. Depuis tout à l'heure, je suis très surpris par ce qui se passe en vérité. du coup, quand tu veux. Hein? Tu remets un portail bleu en dessous de moi, comme tout à l'heure. Bah, et là-haut? Et là-haut quoi? Là-haut. Oui, bah, t'inquiète. Bah, je suis obligé de. Non! Bah, je suis obligé. Bah oui, t'as raison. Non mais de mon point de vue à moi c'est logique en fait. Mais c'est vrai que de ton point de vue à toi ça l'est pas. Bah écoute, on va faire l'inverse. Prends le vortex et remets-le où je l'ai mis. Voilà. Vas-y, fais un vortex qui permet d'aller vers d'autres horizons. Je m'envole. Ok. Et dès que tu le sens, attends. Il va falloir que tu mettes. Attends, mets ton portail là. Et lequel? Le bleu. Quand tu veux. Le bleu clair? Oui, quand tu veux. Moi je dis bleu et violet. Voilà. Et là normalement ça fonctionne. Voilà. Donc là j'ai le cube. Et moi? Et en ayant le. Qui t'a parlé de toi? Moi j'y vais. Hey, c'est moi qui ai tout fait. Attends. Le cube, bah du coup faut le mettre à la place du bouton. Mais du coup je sais pas en fait. Du coup faut refaire la même chose. Faut refaire la même chose mais pour toi. Alors, attends. Si je prends ça et que je prends ça. Non mince, attends. Non, il était bien là. Voilà, là il est bien. Donc là voilà, va dans le vortex, élève-toi vers le ciel, élève-toi vers les anges. Parfait. Et danse avec ta vie. Très bien. Juste pour ça, je suis content qu'elle soit là. Donc, attends, il faut qu'on prépare le terrain. Mets l'un de tes portails là. Ça, c'est pour le propulseur. Voilà. Et au moment où tu vas tomber, tu vas mettre ton autre portail en dessous de tes fesses. Genre à la place de mon jaune, tu vas mettre ton bleu. D'accord? Maintenant. Oui. Et là, normalement. Voilà, magnifique. Le duo incompris qui a encore réussi quelque chose. Coucou. Bah voilà. C'était pas si difficile. Alors on en est presque à 16 minutes. On a à peu près le temps, si tu veux, d'en refaire encore au moins un. Un seul? Ouais. Très bien, encore un. De toute façon, on en est déjà à la quatrième session, presque à la moitié. Donc autant dire qu'on a presque terminé la courbe déjà, ma petite Stal. Et oui, déjà. Déjà. Mais qu'est-ce qu'on fait? De quoi? Qu'est-ce qu'on fera après? Bah, j'ai quelques idées, mais je pense qu'on en discutera en off. Si jamais. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs trucs que j'ai envie de te proposer, et vu qu'on a un petit peu le temps avant novembre, spoiler alerte. Alors, niveau 4 sur 9. Eh, quoique, ça s'agrandit, hein. Est-ce que tu veux terminer ce niveau ou terminer le niveau d'après encore avant de se laisser? Histoire d'avoir un truc. Ok. Il a l'air chiant ce niveau, attends. Ça fait quoi ça? Oui! Je voulais y aller. Bah, oui! Hop, on peut se renvoyer en l'air. Wouhou! Salut! Wouhou! Je fais des tricks! Moi je vais là. Oui, mais ça fait quoi d'aller là? Tu vas où? Ah! Où c'est que tu. Attends, tu vas où là? Ah, je sais pas. Tu vas à la sortie. Ah, ça t'emmène à la sortie. Par contre, il y a un récepteur, regarde.
Un truc laser là. Où c'est qu'il y a un laser? Ah, il y a un laser là. Là, il y a un laser. Là, il y a un laser. Bah là, il y a un laser. Sauf que pour l'atteindre, et bah pour l'atteindre, c'est rigolo. Attends, ne bouge pas. Ne bouge pas d'où tu es. Ne bouge pas d'où tu es. J'ai besoin de ton vortex. Rêve bleu, tu as des ailes. Hirondelle autour, tourelle. Et là-haut dans le ciel. J'ai activé un truc. Un tube. J'ai activé un. Où ça? Là. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors moi, je veux bien, hein, mais je veux bien. Ok. Y a un cube qui va venir. Bah, qui va venir à l'entrée. Si tu peux réussir à le pécho par n'importe quel moyen. En fait, ce serait bien que. Tu peux me laisser prendre le vortex? Oui, bah dès que le cube il sera arrivé, oui. En fait, c'est pas ça, parce que moi j'ai un truc pour mettre un portail là, donc je peux le récupérer mieux, mais il faudrait que je puisse prendre le vortex. Parce que là, je peux pas le récupérer. Bah vas-y, vas-y, non mais vas-y, hein, je j'ai pas d'idée en fait, j'ai juste trouvé un cube et j'essaie de le ramener. Ah mais non, attends! On fait les choses à l'envers! C'est moi qui ai besoin de récupérer le cube! L'arrivée du laser, elle est là! Ah. D'accord. Ah mince, du coup on a fait les choses à l'envers. C'est rigolo cette histoire. Attends. Bah, excuse-moi, je récupère mes affaires. Est-ce que tu veux bien mettre un portail là? Tu peux ou pas? Où ça? Ici. Là. Ici, tout à l'autre bout. Tu peux là? Oui. Bah vas-y. Vas-y. Voilà. Et t'en mets un autre là. À peu près là. Que je puisse récupérer le cube. Ah! Mais le cube m'a zappé. Ah mince, mais il est où? Bah il était en chemin et il est tombé. Bah comment ça se fait qu'il est tombé? Mais what? Parce que j'avais déjà posé un portail ici là. Attends, normalement là il est en chemin. Ouais. Il est en chemin, ouais c'est bon. Ouh, bon. C'est compliqué. Le jeu commence à montrer ce qu'il a dans le ventre. Eh, nous aussi on commence à montrer ce qu'on lui a dans le ventre. Nous aussi on commence à lui montrer ce qu'on a dans le ventre. Moi je demande ce que j'ai dans le ventre. Moi je demande ce que j'ai dans le ventre. J'ai mangé des pâtes à midi mon pote. Et ouais. Alors attends. Écoute, si tu veux, j'ai un laser. Alors... Je sais pas ce que tu veux en foutre, mais j'ai un laser. J'ai un laser. Ah, c'est bien là. Bouge pas. C'est bien là? Ouais. Ok. Attends. De mon point de vue, ça pourrait être mieux quand même. Attends. Tu veux que je bouge le laser? Je peux le bouger hein, si tu veux. Attends. C'est bon là? Non, c'est. Attends. Je redresse. Tu le baisses. Bordel. Qu'est-ce qui coince? Tu le baisses. Que je le baisse. Voilà. Toi que tu le baisses. Ah voilà. Non mais comment ça, moi je le baisse. Je me casse. À l'aide, Mahou. Attends, comment je viens, moi? Comment je viens? Parce que Pierre, toi, tes portails, tu peux les remettre après. Donc tu dois pouvoir m'aider pour venir. Attends, comment t'as fait pour venir tout à l'heure? T'as utilisé les vortex? C'est ça? Ok, bah refais-moi ta passerelle à vortex que je puisse venir avec tes portails. J'ai mis un truc là. Ouais, déjà un là, un récepteur. Et un autre bah, qui me permette de venir, je sais pas lequel t'as fait. Si. Bah vas-y, non mais c'est pas moi qui dois le faire, c'est toi. Je veux pas le faire, je veux pas attendre ce côté là. Où ça? Là, tu peux pas le faire là? Eh non, regarde où je suis. Ah bah attends, on a un problème alors parce qu'il faut pouvoir activer le laser qui est là-bas. Aïe. Y'a pas un... Yeah. J'ai fait quoi? Ben non, attends, non, c'est plus bête que ça, faut juste que tu viennes avec moi. C'est aussi bête que ça en fait, parce que dans tous les cas tu vas revenir en haut. Le laser il est déjà positionné, faut juste que ce soit toi qui joue avec les portails. Après tu t'en fous, tu peux venir, oui voilà. Voilà. Oui. Ouais mais en fait il fallait, bon c'est pas grave. Ça revient même. Bah non, mais c'était bon. Vas-y, je te laisse. Ah non, mais il faut installer le terrain. Oui. Ah bah c'est bon. Très bien. Installer un génie. Par contre, attends juste que je débarque, hein, parce que hein, je te sens bien de retirer le vortex au moment où je suis en plein milieu du vide, là. N'est-ce pas? Vite. Ah, ma vie. Ma vie pour un vortex, très bien. Ah, fais pas de bêtises, elle casse tout. Je peux pas t'aider. Ah, dommage. Dommage. Réceptionne.
réceptionne. Oh là là. Ok. Le pont il s'est soulevé en dessous de moi. Bon bah voilà. C'était pas si dur, n'est-ce pas? Oh, on a débrouillé une nouvelle action que j'ai déjà parce que j'ai déjà fini le jeu. Mais c'est stylé. Piou. Oh le petit piou de la fin. Le petit piou de la fin. De quoi? Oh, attends, t'avais pas le disco avant? Et moi j'ai le. C'est ça? C'est le break-a-break? Ah non, ça c'est le rire. Bah attends, le break-a-break c'est quoi? Ah, c'est ça le break-a-break! C'était mon disco là? Ah non, d'accord, ça n'a juste rien à voir. Oh! Tu fais des saltos et tout! Oh, comment ça la pète! Oh, comment ça la pète! Ça ne va plus du tout! Ça ne va plus du tout! Cette boule prend la grosse tête, prend la grosse boule. Cette boule prend la boule. Cette boule prend la boule, c'est pas mal ça monsieur, madame, bonjour, au revoir. Et bah écoutez jeunes gens, on est sur la fin de cet épisode numéro 7, on espère en tout cas que ça vous a plu. On avait dit qu'on ferait peut-être un niveau de plus. Mais du coup, par rapport à la durée, je pense qu'on est bien. La prochaine fois jeunes gens, et bah on tentera de terminer cette session, si on la termine pas c'est pas grave. Mais si jamais nous avons déjà passé la moitié du jeu, la moitié de la coop, ça veut dire que l'histoire n'est plus très longue. Et que du coup, on devrait bientôt avoir des réponses à pourquoi on fait ci ou pourquoi on fait ça. Ma petite stage, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour l'épisode 8. Bisous bisous. Bleu, que savez-vous vraiment d'Orange? Lui faites-vous confiance?